Gastromathérapie, c'est une spécialisation infirmière. L'ostomie, c'est une dérivation digestive, urinaire ou aérienne à la peau, faite de façon chirurgicale, suite à une maladie ou une complication, temporaire ou définitive. On se déplace au lit du patient, puisqu'on est sur le HC, mais on se déplace aussi sur le domicile et on les voit aussi nos patients en ambulatoire. Dans les soins au quotidien, ce sont soit les patients qui font leurs soins parce qu'ils sont autonomes, soit c'est un proche aidant qui les aide, soit c'est un soignant. On fait de l'enseignement, on fait de l'accompagnement, on fait du soutien, des protocoles, parce que de temps en temps, il y a des complications et on est là pour aider à savoir comment prendre en soin ces complications. Et puis, on suit nos patients jusqu'à ce qu'ils aient plus besoin de nous. La patiente ostomisée, c'est la plus grande partie de notre activité, mais on s'occupe aussi de patients qui ont des fistules, des patients qui sont en trouble avec des troubles de la continence et des patients porteurs de plaies. Mais ça, dans la maison, ça se fait en collaboration, bien sûr avec le pôle plaies, quand les deux expertises sont nécessaires. On travaille en réseau, au niveau local, au niveau international, au niveau national aussi, en interprofessionnalité, parce que tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Et surtout sans le patient, on ne peut pas faire grand-chose non plus.